Yacine, c'est sympa d'être venu me chercher. Jeanne, c'est toi? Désolée, je ne l'ai pas reconnue. Je sais, moi aussi j'ai du mal à me reconnaître dans un miroir. Mais c'est transitoire, mademoiselle Garnier. Vous allez voir, le docteur Ivo est un génie. Vous allez retrouver votre visage. Je vous remercie, docteur, c'est gentil. Yacine, je te présente au docteur Crespo. C'est elle qui s'occupe de moi depuis mon retour. Enchantée, doc. Moi, c'est Yacine. Enchantée. Mademoiselle Garnier m'a beaucoup parlé de vous. Vous êtes un de ses amis les plus fidèles, m'a-t-elle dit. L'un de ses amis? Non, son ami le plus fidèle. Mais bon, c'est une femme formidable, vous savez. Je sais, je m'en suis aperçue. Mais vous aussi, vous êtes formidable. Tu verras, Yacine. Eh bien, vous êtes formidables toutes les deux. Bon, ma voiture est par là-bas. Vous devez être fatiguée. Ça fait plus de 12 heures qu'on est parti. Bon, on y va. On te suit? Bah ouais, permettez. Je sais pas que ces deux jolies femmes portent la valise qu'après autant d'heures de vol. Il paraît que je l'ai été, mais tu as raison. Le docteur Crespo est ravissant. Mais vous le serez aussi, vous verrez. Vous allez être surprise du résultat. Yacine, j'ai encore un petit service à te demander. Tout ce que tu veux, dis-moi. Je voudrais que tu m'emmènes au cimetière. Je voudrais voir s'ils ont terminé ma tombe. Au cimetière, t'es sérieuse, là? Ouais. Ok. Oui, ça va. Ouais, c'est cool comme job. Hein. Tu sais, ça me rappelle quand on était à Love Island avec les filles, on avait notre bar. Hein, avec Béné, Johanna. Bah, tu la connais, Johanna. Elle est venue nous voir. Bah oui, je la connais, Johanna. Mm. Tu m'avais dit que Jimmy avait un mois de transport déjà, ça. Ouais, il avait un mois de transport, c'était top. Bah, à l'époque, on était plus jeunes et plus beaux, quoi. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es toujours jeune et belle, ma chérie. C'est bien, mon cœur. Tu vois, je tends une perche et toi, tu la chopes au vol et tu dis exactement ce que je pense. Ben oui, tu vois, je commence à te connaître. Ça veut dire que tu penses pas à ce que tu dis, c'est ça? Tu trouves que je suis moche? Enfin, t'es la plus belle, ma chérie. Ouais, c'est pas sûr, ça. Il y a Béni, il y a Johanna, Hélène, puis il y a Jeanne. Ah ouais, il y a Jeanne, cette pauvre Jeanne. Ben ouais, c'est triste, mais si tu veux, c'est la vie, c'est comme ça. Ouais, tu vois, moi, c'est marrant, mais... Quand j'y pense, je suis pas tout à fait convaincue, tu vois. Moi, je pense pas qu'elle soit morte. C'est... Tu vois, si je me concentre, là, par exemple, je me concentre. Alors, tu vois, pour moi, elle est vivante. C'est drôle, hein? Bon, enfin, avec ce que les flics ont dit à Nicolas... Les flics, ils sont pas médiums, hein. Si ça se trouve, ils ont dit ça, ils n'ont aucune preuve. Et puis, peut-être que Marie dit ça à Nicolas pour qu'il arrête de penser à elle.